Salut, salut! Donc, comme vous l'avez dans le titre, on se retrouve pour un petit haul-in! Ouais, ça faisait tellement longtemps. Voilà quoi. Donc là, j'ai reçu deux commandes. J'en attends encore une, mais je l'ai commandée beaucoup plus tard. Donc, je vous montrerai ça dans un vlog. De toute façon, il n'y a pas grand-chose. Là, c'est deux commandes parce qu'en fait, j'ai fait la première et je me suis rendu compte que j'avais oublié de commander l'article que je voulais absolument commander. Oui, mes cheveux, ça va pas du tout. Alors, pas du tout, du tout. Ma chérie, voilà, bref, on s'en fout. Donc, j'ai fait une deuxième commande pour cet article-là que je voulais vous montrer. Bah, écoutez, je vais commencer par ça. On va commencer par la déco. Donc, l'article que je voulais absolument commander, c'était pour mettre dans ma lanterne et peut-être de l'autre côté. Donc, j'ai commandé deux fois la guirlande comme ça de fleurs LED blanches. C'est marqué jaune citron, donc j'ai eu un peu peur, mais elles sont blanches. Sauf que je viens d'essayer une des deux. Il y en a déjà une des deux qui ne fonctionne pas. Donc, je vais envoyer un petit message à Shein, ils me le rembourseront. Et le deuxième, voilà, alors il y a un faux contact, bien évidemment. Ça éclaire pas des masses, hein. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà, donc je pense qu'il y a moyen de trouver mieux sur AliExpress ou carrément chez Action. Là, c'est pas de la qualité du tout, du tout, du tout, ma chérie. Hein. À voir dans le noir. Mais voilà, bon, celle-là, ils me la rembourseront parce qu'elle ne fonctionne pas, je le sais, et je la garderai pour faire les photos sans loupiote ou en déco, je ne sais pas. C'est pas perdu. Surtout que je les avais pris pour mettre dans mon fond, mais j'ai oublié que j'ai. Enfin, après, j'ai commandé un autre truc pour mettre dans mon fond, donc voilà. Sur AliExpress. Ça, je vous montrerai aussi en vlog quand je les aurai reçus. Donc, voilà le premier article déco. Le deuxième, je me suis pris pour moi. Alors, elle est énorme. Franchement, je ne la pensais pas si grosse. C'est une petite licorne qui s'allume. Oui. Parfois, j'ai 5 ans. Mais voilà. Et j'en ai pris une de chaque. Enfin, une pour chacune des filles aussi. Je l'ai trouvée très jolie. Et je la pensais franchement pas si grosse. Donc, je suis encore plus contente. Et elle va aller juste ici. Voilà. Ah! J'ai été trop loin avec ma chaise. Voilà, c'est trop mignon. Alors, on va passer aux fringues parce que là, j'ai pas énormément non plus. J'ai trois tops. J'ai commandé trois tops. Il faut que je me calme avec les fringues de toute façon, mais déjà trois, c'est énorme. Alors, le premier gros coup de cœur. Gros coup de cœur. Alors, je ne vais pas vous montrer le visuel du site puisque je n'y ai plus accès. Je ne sais pas pourquoi. C'est marqué article inexistant. Même pas en rupture ou quoi. Il est inexistant, mais bien sûr, je vous mets les close-up de l'article porté. Donc, c'est un top noir comme ça, avec une manche en dentelle, de la symétrie ici au-dessus, une fermeture en goutte derrière. Donc, c'est un manche long, hein, et il est sublime. Vous savez à quel point j'aime les trucs ouverts ici et les cols montants comme ça. Ben, et la dentelle, il a tout pour me plaire, ce top. Je l'aime de trop, je l'ai mis pour aller manger chez mes parents ce week-end. Et il fait son petit effet, c'est très habillé. De toute façon, la dentelle, dès qu'il y a un petit peu de dentelle, ça fait tout de suite très habillé. Alors, j'ai craqué sur celui-ci aussi. Il n'était pas bien cher non plus, il me semble. J'adore le rose poudré pour le printemps-été. Donc, j'ai pris celui-ci avec toutes des losanges ajourés comme ça. Un petit col montant aussi, manche courte. La longueur est pas mal. Voilà. Bon, c'est coupé, mais c'est pas... Il n'y a pas d'ourlet ou de couture ou quoi, c'est juste coupé dans le tissu. Mais c'est très joli et voilà, je trouve que pour le printemps-été, ça va être très joli. C'est une couleur que j'adore, donc je me suis fait plaisir. Et en ce moment, je suis à fond dans le taupe, le nude, le marron, je ne sais pas pourquoi. J'ai pris celui-ci, donc c'est encore un manche long avec encore cet effet ouvert devant. C'est un effet super posé, comme si vous aviez rajouté un petit gilet dessus, mais c'est en une seule pièce. Et j'adore. Donc, normalement, j'ai pris tout en M, hein, comme d'habitude. Voilà. Et je vous mets, bien sûr, les liens de tous les produits ouais, M. Je vous mets, bien sûr, le lien de tous les produits dans l'ordre que je vous les présente en barre d'infos.
Attendez, je me gratte. Donc celui-ci, franchement, porté canon aussi. Hein. J'ai adoré. Alors, on va passer dans la beauté. Là, j'ai pas grand-chose non plus. C'est beaucoup des accessoires cheveux, je vous l'avoue, encore une fois. Alors, j'ai d'abord pris ce crayon orange parce que j'avais l'impression que c'était pas un orange que j'avais, mais je me demande si c'est pas le même que le Révolution. C'est Révolution, ouais, Obsession. Donc, si j'arrive à le sortir, je vais l'ouvrir pour vous montrer. Les packagings sont bien, franchement, ils sont mat, donc ça glisse pas dans les mains et c'est un rétractable. Donc je ne fais pas le swatch tout de suite parce que je vais regarder avec l'autre. Parce que si c'est le même, je vous le mets dans le coco. Hop là. Et... Ouais. Je pensais qu'il était un peu plus vif. Mais c'est quasi la même teinte. Donc bon. Je voulais essayer un crayon Chine, mais enfin Chiglam. Il faudra que j'attende qu'il sorte d'autres couleurs pour faire ça. Je vais garder celui-là. Et celui-là, je vous le rajoute au lot du concours des 4K. Peut-être ce soir. Hein. On est à 3999, les gens. Hein. J'ai fait mon backup de mes petites éponges adorées. Voilà. Alors, je préfère largement celle-ci. Il y en a une qui est coincée. Que les licornes, elles sont encore plus souples. Enfin, que les licornes, les dégradées, là. Et ça revient vachement moins cher puisque l'autre, attendez, j'en ai aussi, hein, j'en avais fait un backup aussi. Je vous parle de celle-ci. Elles sont encore plus souples et du coup, comme l'autre c'est 1 euro pièce, moins la réduction, ici c'est 2,75€ les 5. Donc je vais faire du backup. Voilà, j'ai repris un vert parce que c'est vert et j'ai quand même pris un de cette couleur-là. Voilà, juste pour dire, j'ai pris pas que du vert. Donc je vais les ranger tout de suite dans mon petit tiroir backup. Il me reste encore 4 des autres verts. Des autres verts. Donc là, je pense que j'ai mes éponges pour l'année. Et pour finir, j'ai pris des petits strass perles comme ça, en forme de cœur. Voilà, pour un make-up artistique, ça sera sympa. J'aime beaucoup leurs petits accessoires comme ça, chez Shein. Je les prends toujours. Ah non, il y a encore un truc. Et j'ai pris ceci. Voilà, encore des éponges, vous allez dire. Oui, mais c'est pas pour la même utilité. Alors, il y a 3 entières dedans. J'ai pris parce que quand j'utilise la palette Révolution en produits crémeux pour faire les make-up artistiques, j'utilise ce genre d'éponge, mais je les jette parce que c'est pas nettoyable, en fait, le produit. Donc, vous avez des petites pointes comme ça, des espèces de petites flèches comme ça. Et elles sont souples, hein, même les petites, là, comme ça. Franchement, j'étais assez surprise de... Elles ne veulent pas sortir. Non, pas par terre, hein, s'il vous plaît. Je vous montre les formes. Hein. Il y a des petits cœurs. Donc ça peut être sympa aussi pour juste faire la forme, en fait. Je pense que je vais en garder une pour ça. Donc là, on a une plus grosse. Oh, elles sont quand même moelleuses. Hein. Il faut voir une fois mouillée, mais en forme de... 8 comme ça, j'aime pas trop utiliser ça. On en a une comme ça avec le cucu plat, et on a aussi des petites comme ça ovales. Donc, de toute façon, au pire, je peux m'en servir aussi pour blender ma base, mais je vais en garder à chaque fois une pour faire des formes. Et puis, il y a une classique en forme de goutte. Voilà, je vais enlever les grosses d'ailleurs parce que j'en ai pas besoin, pas du moins, pas là-dedans. Et les ovales, elles sont quatre. Voilà pour ça. Et le petit pot peut être réutilisable en plus. Donc même pour en tant que gourde, c'est pas mal. Je crois qu'il y en a 25 dedans. Je ne suis plus très sûre du nombre exact, mais il me semble que c'est 25. Alors, on va passer au carnage cheveux. Comme ça. Alors. J'ai d'abord repris de l'eau, hein, de lacet, c'est des autres teintes. Donc attendez, je vous en ouvre. Donc vous avez un bleu ciel encore, j'ai déjà des bleus ciel, mais les autres c'est avec des petits poissons. Donc là les strass sont plus beaux, enfin les bijoux sont plus beaux. Ils sont tous emmêlés. Vous avez un rose poudré et un jaune.
Alors, je vais essayer de vous les montrer de plus près pour vous montrer les bijoux qui sont beaucoup plus beaux que les autres, que c'est des petits poissons. On se demande pourquoi ils ont fait des petits poissons. Voilà, c'est beaucoup plus joli ceci, hein. C'est des petits tonneaux. Et du coup, j'en ai pris deux pour pouvoir mettre un de chaque couleur à chaque fois. J'ai pris une petite pince comme ça pour quand je fais mes demi-queues. J'aime beaucoup mettre une petite pince. Et là, c'est une en perle et en forme arrondie comme ça. Donc, elle va être idéale pour garder la demi-queue arrondie justement. Et je la trouvais très jolie. Donc, j'ai hâte de l'essayer. On verra ce que ça donne. De toute façon, même pour une queue de cheval, ça fait tout de suite plus habillé. J'ai repris un lot d'élastiques. C'est pas comme si j'en avais pas assez. Donc là, vous en avez 6, c'est des tressés. Vous avez un rose poudré, un bleu ciel, un bleu marine, un peu violacé, un taupe et un noir, tressé avec des petites perles au bout. Voilà, et ça c'est pareil dans les cheveux, ça fait tout de suite habillé quoi. Donc là les teintes. Voilà, et si vous l'attachez, ça fait tout de suite une belle décoration de tête pour pas bien cher. J'ai pris ces pinces là. Je les voulais absolument. Donc, c'est deux pinces crocodiles comme ça, avec des mini pinces crocodiles à l'intérieur. On va en essayer un tout de suite. Voilà. Donc, vous prenez une séparation devant. Vous mettez votre pince. Et on va les tortiller. Vous ajoutez à chaque fois votre mèche dans la petite pince. Bon, après, à mon avis, avec des plus grosses mèches, ça sera plus joli. Puis coiffer, quoi, parce que là, je l'ai fait vraiment à l'arrache. J'avais vu des avec des pompons, mais je les ai pas retrouvés sur Chine, donc j'ai pris celle-là. Et voilà à peu près ce que c'est censé donner. Si vous en avez deux, ça fait beaucoup plus joli, bien évidemment. Donc voilà pour ces petites pinces-là que je voulais absolument. Ah oui, c'est vrai que pour enlever, c'est un peu plus chiant. J'ai pris un lot de deux pinces toutes simples. Hein, voilà, des pinces comme ça, avec des chaînettes. Et ça peut être beau pour mettre en déco sur le côté de la tête. Quoi. Voilà, tout simplement. Je les trouvais très belles. Alors, j'ai pris un lot de deux pinces. Vous savez, j'utilise celle-ci quand je me maquille en vidéo. Voilà, que je trouve très magnifique. Là, j'ai pris des très pas magnifiques, mais très drôles. C'est des grosses fleurs en pompons, comme ça. C'est de la feutrine. Ça m'a fait rire. Donc, je les ai pris. Voilà, tout simplement. Moi, une fois que ça me fait rire. Attendez. Ça va être bien quand je vais devoir me maquiller avec vous. Ouais, il m'en faut peu, hein. Vraiment très peu pour être heureuse. Alors, j'ai pris un lot de trois pinces à clipser. Je sais pas trop comment ça s'appelle, donc je vais vous les sortir, ce sera plus simple. C'est trois couronnes. Voilà. Je vais vous les montrer. Vous voyez, c'est dès avec la fermeture comme ça que vous déclipsez. Quand vous y arrivez. Et elles sont vraiment très, très, très jolies. Et ça, c'est pareil. Juste mettre sur le côté ou même des couronnes, quoi. Et pour terminer, j'ai pris... Alors, je les ai trouvées qu'en doré. J'ai pas trouvé en argenté. Mais bon, tant pis. J'ai pas beaucoup de déco de tête dorée, de toute façon. Encore une couronne. Et carrément un pin. Donc là, c'est des pinettes. Hein. Mais elles sont trop belles. Elles sont carrément canon. Donc vous avez le queen avec la couronne sur le cul et des strass. Vous en avez une simple avec des perles. Et une avec une petite couronne au bout. Et le chien, il gueule. Les chiens gueulent. Donc voilà ce qui clôt... Voilà ce qui conclut mon petit haul Shein.
Donc, je suis juste un peu déçue pour la guérande qui fonctionne pas, mais ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Elle a peut-être pris d'humidité ou quoi, ou il y a un faux contact. Ça peut arriver, donc je vais les contacter et ça, normalement, ils vont me les foutre directement sur, soit sur mon compte en banque, soit je vais leur dire qu'ils le mettent directement dans le porte-monnaie Shein. De toute façon, je commande assez souvent. Et voilà. Sinon, les tops, je suis bien contente. Et les petits accessoires cheveux, vous connaissez mon obsession pour ce genre de trucs. Faut que je me calme, hein. C'est pas comme si j'en avais pas assez. Mais voilà. Bref, donc, n'oubliez pas de mettre le petit pouce en l'air, de vous abonner si ce n'est pas encore fait. J'aimerais bien qu'on soit au 4K au moins aujourd'hui. Ça serait cool quand même, un de ces quatre-là, parce que le concours, il dort, hein. Et on se retrouve bah, de toute façon demain, puisque ceci est une vidéo bonus. Donc, en attendant demain, moi, je vous dis bisous, bisous.